Sœur Claire, c'est le 18e dimanche ordinaire et c'est le dimanche où on parle de la multiplication des pains et des poissons. Voilà, alors en fait, la première multiplication des pains. Donc vous allez trouver ça dans Saint Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 21. Et ça commence au verset 13, Jésus qui part en barque pour un endroit désert pour chercher la solitude. Et puis comme les foules le suivent, le cherchent, etc., on nous dit, la traduction dit qu'il fut saisi de pitié envers eux. Alors le mot saisi de pitié, c'est au verset 14, hein, faudrait mieux traduire remué jusqu'aux entrailles, parce que le mot grec est fabriqué avec le mot entrailles, ces entrailles de miséricorde se retournent, c'est beaucoup plus que de la pitié, il est bouleversé d'amour pour nous, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est incarné, c'est à cause de ce bouleversement d'amour en Dieu que le Verbe s'est fait chair. Alors là, il cherche la solitude, mais évidemment, il craque quand il voit les foules. Et il commence par, nous dit le texte, guérir hein, ceux qui étaient malades, parce qu'il est venu nous apporter la guérison. Deuxièmement, il va y avoir ces foules qui, non seulement le cherchent et sont malades, mais en plus, elles ont faim. Puisque le soir, il n'y a pas de village autour, c'est au bord du lac de Tibériade, c'est un lieu désert, ce n'est pas le désert, c'est sans doute à Tabgha, hein, pour ceux qui connaissent les bords du lac de Tibériade, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de ville autour. Et Jésus dit à ses disciples, ils n'ont pas besoin d'aller acheter des aliments, de la nourriture, donnez-leur vous à manger. Et alors là, vous avez l'histoire des 5 pains et des 2 poissons. Alors, premièrement, il devait y avoir réellement 5 pains et 2 poissons. Il n'y a pas de raison d'en douter. Et deuxièmement, vous savez que les chiffres parlent souvent dans la Bible. 5, c'est vraiment le chiffre du peuple, de la parole de Dieu. Cette première multiplication des pains est pour le peuple juif. D'ailleurs, vous verrez, au verset 21, ils étaient 5000. Donc Jésus multiplie les pains pour les Juifs qui sont à la fois 5, c'est le peuple de la Torah, de la parole de Dieu, des 2 tables de la loi, avec 5 paroles de chaque côté. Le peuple du roi David qui avait 5 pierres hein, pour aller au-devant du géant philistin, de Goliath, etc. Et les 2 poissons, ben c'est tout ce qui va par deux aussi, c'est Moïse, Aaron, ce sont les 2 tables de la loi. Pour nous, on va dire c'est l'Ancien, le Nouveau Testament, etc. C'est tout ce que le Seigneur nous a donné hein, par grâce et qui peut nous nourrir et nous aider. Donc 5 pains et 2 poissons. Et à partir de ces 5 pains et 2 poissons, Jésus va multiplier la nourriture. Mais d'abord, il fait asseoir la foule sur l'herbe. C'est au verset 19. Bien entendu, c'est un rappel du psaume 23. Sur des prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer et ensuite il nous nourrit. Il vient nous donner le repos et il vient nous nourrir. On remarque une fois de plus que ce n'est pas directement Jésus qui va distribuer la nourriture aux foules. C'est la suite du verset 19 hein, où il est dit que il rompit les pains, il les donne aux disciples et les disciples les donnèrent à la foule. Jésus, en train de faire naître l'Église, confie à ses disciples le soin de nourrir les foules. Ce n'est pas la foule qui vient se servir, ce sont les disciples choisis par le Seigneur qui vont distribuer les pains. Et nous les fidèles, nous recevons ce que le Seigneur nous distribue à travers la mission des disciples. Et comme Jésus est pleinement Dieu, il est écrit que tous furent rassasiés. Dans les psaumes et partout, il est dit que seul Dieu peut rassasier. Jésus rassasie et en plus, il en reste. Parce que quand Dieu donne, c'est toujours en surabondance. Et il reste 12 paniers. 12, encore une fois, un chiffre qui renvoie au peuple saint, au peuple choisi, au peuple juif, avec les 12 tribu d'Israël. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000. Alors, je dis un petit mot, sans compter les femmes et les enfants, ça ne veut pas dire que les femmes et les enfants ne comptaient pas. Ça veut dire que dans tous les recensements et dans tous les calculs,
on calcule quoi? Les hommes capables de se battre en cas de guerre contre l'ennemi. Alors là, les femmes et les enfants ne sont pas concernés, c'est pour ça qu'on ne les compte pas. Ça, on ne les compte pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne comptent pas. Voilà. Donc ce dimanche, en plein été, on est appelé à rendre grâce au Seigneur qui, à partir de 5 pains, de 2 poissons, nourrit la foule, nourrit le peuple juif pour que plus tard, ensuite, dans la deuxième multiplication des pains, on comprenne qu'il est nourriture pour le monde entier, que Jésus sera nourriture pour le monde entier. Sœur Claire,